Appartenant à la génération intermédiaire entre le groupe Montpellier 7 et la figuration libre, Pierre-François a toujours revendiqué une grande liberté formelle dans sa création, empruntant beaucoup au cinéma et, plus particulièrement pour cette œuvre, au film d'Alain René, Hiroshima mon amour. Dans un ciel d'un noir funèbre, des avions lâchent une pluie de bombes sur une ville en flammes, livrée aux soldats. Avec un certain humour noir, Pierre-François décore d'un nu féminin la bombe fatale, révélant visuellement la contradiction du titre où l'amour se mêle à la mort. Question. Dans le dédale de la ville bombardée, où peut-on voir une carte de la France ? Réponse. Elle figure de manière symbolique sur le mur de l'une des maisons qui, au tout premier plan sur la gauche, vont subir l'assaut des militaires.